avoir une ruche chez soi et permettre de la disposer et de savoir lire les cadres. Donc moi, quand j'arrive sur une ruche, je vérifie que mon soufflet soit bien allumé et je mets si possible un petit coup à chacune des ruches parce que je suis sur une palette. Donc les vibrations peuvent se transmettre à toutes les ruches qui sont ici. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir travailler sur cette ruche-là. Donc moi j'ai un chapeau avec un petit isolant qui sert l'hiver, même en saison, hein, ça évite un développement de chaleur trop important dans la ruche. Un nourrisseur de type couvre-cadre. Donc avant d'ouvrir, je me permets de mettre un petit coup de soufflet sur l'arrière. Et je tape mon nourrisseur pour faire tomber les abeilles. Sinon, ben, si la reine se retrouve ici, ben, malheureusement, si on pose le nourrisseur par terre et que la reine tombe, bon, c'est risque de l'écraser, tout ce genre de choses. Alors, une ruche. On essaie de la souffler pour essayer que les abeilles aillent sur le fond. Dans un premier temps, pour pouvoir bouger les cadres correctement, on enlève un premier cadre de riz. Voilà. Ça permet de faire de la place et de travailler plus à l'aise pour les autres cadres où la reine peut être dessus. Parce que logiquement, sur ce cadre-là qui est en rive, il y a très peu de chances que la reine y soit. Donc on l'enlève délicatement, hein. On essaye de ne pas cogner les bords, sinon ben, c'est un risque. Risque d'écraser des abeilles, de rendre la colonie encore plus agressive. Et ça, ce n'est pas forcément bon. Donc avant de poser ce cadre par terre, moi ce qui est judicieux, c'est de mettre ce cadre en diagonale et de secouer les abeilles. Voilà, de chaque côté. Cela permet justement qu'il n'y ait plus aucune abeille dessus. Voilà. Et après, mais ici, on a de la place. On peut déplacer les cadres vu que moi je travaille en ruche à bande lisse et pas en crémaillère. Donc par exemple, j'ai envie d'aller voir ce cadre ici. Donc je fais la place de part et d'autre du cadre et je lève comme tout à l'heure délicatement mon cadre. Donc là on peut voir que ce sont des abeilles de type buckfast et là je vais m'amuser à aller constater la ponte de la reine. C'est quelque chose qui est important dans l'apiculture. Donc la variété buck, comme on peut voir, on dit qu'elle colle au cadre. Donc c'est une abeille qui ne bouge pas énormément, qui n'est pas agressive. On peut le voir, là je n'utilise quasiment pas le soufflet et je n'ai pas beaucoup d'abeilles qui viennent m'embêter. Donc pour vérifier que la reine est à l'intérieur de la ruche, pas besoin de forcément rechercher la reine. La plupart du temps, et ce que font quasiment tous les apiculteurs, c'est de rechercher la présence d'œufs. C'est ce qu'on va aller chercher. Donc là, j'ai des réserves. Alors, je vais vous montrer ce que j'appelle réserve et ce que j'appelle pollen et couvain. Donc là, toujours, je souffle un petit peu. Hein. C'est toujours important quand je secoue un cadre. Alors, ici, sur cette partie de cadre, donc là, j'ai des réserves qui vont pouvoir être utilisées durant l'hiver. Donc c'est principalement du miel et il est operculé. Ça voudrait dire que le jour où vous récoltez votre osse, eh bien, si vous voyez ce miel operculé, c'est que vous pouvez l'extraire. Tant qu'il est un peu liquide, donc comme on voit là, c'est un peu brillant si je bouge le cadre, et là c'est encore à stade nectar et avec un taux d'hygrométrie trop important. Si vous récoltez votre miel à ce stade là, concrètement il va fermenter et quand vous allez ouvrir votre pot de miel, ça va faire pchit. Donc vraiment attendre, si vous voulez récolter votre miel, d'attendre qu'il soit operculé comme cette partie là. De l'autre côté du cadre, bon là on peut le voir, donc toujours du miel operculé en haut, et par contre on a plein de taches de couleur ici. Alors ça, il faut savoir que c'est du pollen. Donc de plusieurs variétés, on peut voir qu'il est plus ou moins jaune. Alors ça, c'est tout simplement qu'il y ait des fleurs mellifères qui sont de différentes variétés. Donc ça peut aller du blanc, du jaune, du orange, du marron. Il y a toutes ces variétés de pollen
qui peuvent exister. Vous avez du pollen noir aussi. Alors apparemment, il y a plus de réserves de ce côté-là, donc le couvain a l'air d'être de ce côté. Donc on va aller voir maintenant ce cadre-là. Alors, déjà au poids, le cadre est beaucoup plus léger. Donc ça, ça veut bien dire concrètement que on a plus de chances de trouver de la ponte. Alors là, par chance, je vous le montre en cadre rapproché, j'ai la reine. Elle est bien marquée en violette, on peut la vérifier. Alors ça, c'est considéré en rouge, et la rouge est considérée en couleur pour donner la date de 2018. Donc là, la reine est en train de pondre. Alors, je vous montrerai sur une photo, parce que je ne vais pas la déranger, les différents stades larvaires entre l'œuf, la larve et le couvain fermé. Mais concrètement, pour vous expliquer, en fait, là je vais les faire bouger, là on a du couvain fermé. Donc ce sont des abeilles qui vont prochainement naître. Et la reine ici, là, qu'on voit au bout, est en train de pondre un œuf. Cet œuf va se développer en 21 jours, qui va donner nouvellement une nouvelle abeille. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un cadre de couvain. Donc un cadre de couvain qui bon, en cette saison, est logique, hein. Ce qu'on a en début d'hiver, la reine commence à stopper la ponte. Après, sinon, en début de printemps, voire en saison, sur une variété Bucks, c'est plutôt un cadre entier de couvain qu'on retrouve. Donc voilà, ça c'est important. Alors ça, si vous vous posez des questions, c'est une lanière à pivard, c'est pour traiter contre le varroa. Et puis voilà, au niveau de... Au niveau de tout ça, c'est ce que je peux vous dire. Alors pareil, après, quand on remet tous les cadres, il faut revérifier de remettre les cadres dans le même sens, dans le même ordre, et surtout que tous les cadres soient bien collés entre eux. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace de jours, de choses comme ça au milieu. C'est pas bénéfique pour la colonie. Donc là pareil, on remet le cadre. Comme je vous disais, avant de fermer, hop, un petit coup de chaque côté qui permet de resserrer l'alignement de tous les cadres. Alors moi, je le fais, bon, tous les apiculteurs ne le font pas. C'est pas mal de gratter le contour pour avoir la colonie la plus propre possible. Ça permet aussi d'aider à la propolis à mieux coller et d'éviter tout ce qui est prolifération des courants d'air, on va dire, dans le corps de ruche. Donc voilà, faut pas hésiter à faire les bords pour que le nourrisseur colle bien. Et alors là, il n'y a pas forcément besoin, mais si vous voyez des constructions anarchiques dessus, n'hésitez pas non plus à le faire. C'est toujours quelque chose de pas mal. Donc voilà, une fois que vous avez vérifié la présence d'œufs, là on a vu la reine par chance, tout ce genre de choses, concrètement c'est ce qui s'appelle une bonne visite d'une colonie. Et là, il faut vérifier que la colonie n'est pas en excès de nourriture, mais aussi que la colonie ne manque pas de nourriture. Alors moi, la petite chose que je vérifie, c'est que ces deux cadres de rive soient remplis constamment de nourriture. Mais quand la nourriture fait plus de 4 cadres de nourriture en saison, pour moi c'est trop. J'essaye d'optimiser pour avoir mes colonies qui tournent entre 2 à 3 cadres de nourriture. Au-dessus, c'est compliqué, on risque un essaimage. Donc voilà. Un dernier petit point qui reste important. Donc en début de saison, je gratte mes nourrisseurs ou tout simplement mes couvre-cadres. Et si je reviens une semaine plus tard et que je vois des constructions anarchiques qui se sont faites un peu partout, c'est le signe qui veut simplement dire que ça serait l'opportunité de poser une hausse pour préparer une future mielée.